Là, dans le cadre de conférence, l'association parents élèves d'Haïti à Spayet. Dans le cadre de conférence, aujourd'hui, nous exprimer vos préoccupations nous gagnons sur le fonctionnement de l'école dans la zone métropolitaine avec plusieurs autres communes dans certains départements par rapport à la violence. À Spayet, noté, il y a à peu près 8 semaines qui sont déjà perdues dans l'année scolaire 2023-2024 pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince, jusqu'à passer Mariani, jusqu'à Croix-des-Bouquets, jusqu'à Tomazo. Ça a une cause année l'école là par rapport à calendrier après un gros frappe. Nous faisons plusieurs plaidoyers dans ce sens, bon côté autorité, pour que les décisions qui étaient prises pour l'école là fonctionner, n'y pas arrivé fait. Ça a mettre si moun sa on en situation qui est difficile parce que yo pas qu'à l'école. Nous prenons note, ministère éducation nationale modifié calendrier 2023-2024. Dans calendrier ça ministère alors calendrier initial là était prévu pour l'école là était fermé dans mois juillet. Calendrier qui modifié à l'école là fermé dans mois août. Nous prenons note de ça mais cependant nous avons des réserves sur tout parce que le ministère a pris une décision comme ça, mais il faut tenir compte de toute quantité de départements de l'école qui a fonctionné. Je dis à la gain plusieurs directeurs, professeurs dans le département de l'école qui a fonctionné, qui ont même ont pas d'accord avec la décision du ministère là, parce que ils dit qu'ils ont fait tout le temps à fonctionner l'école, ils n'ont pas de camper. Le ministère a décidé de mettre 4 semaines, on avait dit 1 mois sous le calendrier scolaire là. Ça, c'est pour eux, son punition. Ils ont même pas accepter ça. Je souhaitais ministère là de prendre décision pour côté l'école va fonctionner hein? Même si ça t'a arrivé au compte on t'a fait examen officiel mais cependant yo même yo pas de puni pour ça parce que les monde c'est de l'école privée qui ou gagne que les professeurs ont pas de contrat avec eux pour mois d'août pour y aller si l'école là va fonctionner obligé payer par rapport avec zone métropolitaine Port-au-Prince nous dit l'école n'a pas fonctionné le ministère a pris une décision pour modifier le calendrier tout mais cependant le parti qu'il est l'école là ouvrir calendrier modifié a été fait mais faut l'école là ouvrir jeudi le ministère a pris mesure pour dire qu'il est l'école là ouvrir et il pas capable nous avons certaines écoles ou bien quelques directeurs d'école qui a fait des démarches vraiment pour l'école soit capable de fonctionner en civil demander pour Simon aller ça veut dire son bail qui a fait en cachette. Nous-mêmes, ça, nous pas même d'accord parce que l'école là vient tourner en mal en Haïti. L'école va retourner mal en Haïti. L'école va devoir faire un cachet. C'est ça qui fait nous-mêmes dans Aspayet. Nous lançons des messages à travers plusieurs organisations de la société civile là pour nous voir comment nous sommes capables de faire une campagne de plaidoyer, pour nous sommes capables de sensibilisation pour l'école là tourner priorité dans la société argentée autrefois. L'école va devoir faire un cachet. L'école c'est avenir si mon avenir société, avenir pays, pays pas qu'à mourir. Nous pas qu'à faire l'école dans caché. Moun qui dans société, major élite yo, faut au moins nous penser sur question ça parce que son bagage qui grave. Si nous vivons comme ça, nous pas même besoin de penser avec pays demain parce que si nous pas avec l'école fonctionner. Nous devons faire parenthèse ça mais pour nous dire, le ministère n'a pas en mesure pour le dire. Qui est l'école là pour ouvrir. Beaucoup la calendrier ça. On dit par exemple l'école là pas fonctionné dans le mois de mai. Il n'a pas fonctionné dans le mois avril nous y est là. Calendrier ministère qui modifie à qui est appliqué. Là, nous pensons que c'est son manquement bon côté ministère là qui décide de faire un calendrier sans pour autant l'école là continuer à marcher. J'en dis déjà, il y a quelques écoles qui ont fonctionné, mais la majorité de l'école écoles ça, ils ont fait plus pour qu'ils aient le reste trans l'argent qu'ils ont gagné dans mes parents. D'ailleurs, yo getan exigé pour aller payer restaurité a si bien que ta ka même dit majorité direction l'école yo gagne tout l'argent année an mais yo sans pour autant là nous dans mois d'avril. Ça c'est des points préoccupation nous sur question année scolaire là mais nous l'autre préoccupation tout c'est par rapport à parlant pile parole corruption qui ta gagne dans fonds national d'éducation nous même dans Aspayet nous connaît fonds ça c'est un fonds qui commencé collecter l'argent depuis sous administration Joseph Michel Martelly mais fonds arrivé effectif en 2017 les lignes conseil d'administration laisse ça pour ça arriver effectif depuis laisse ça pas jamais gain monde qui connaît qui quantité l'argent qui collecté par rapport à fonds ça nous même plusieurs fois nous fait des conférences pour nous exprimer doute nous sous façon fonds à fonctionner nous demander pour gain transparence
aucun directeur passé, aucun de première administration qui c'est Jean-France Nicolas, deuxième administration Couliard qui est dans tête li et Jean-Ronald Joseph, il y a pas jamais bay détail, il y a pas jamais bay explication qui ça l'argent fait. C'est ça qui fait gagner des doutes légitimes sur question qu'a parlé comme quoi ta corruption en dedans FN, mais nous même dans Aspayet nous pas en mesure pour nous dire que corruption vrai parce que il y a des institutions qui là pour ça. Par exemple, Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, il y a ULCC qui est unité de lutte contre la corruption. Deux institutions, ça nous pensait, ils n'ont pas joué au rôle. D'ailleurs, ils ont dû faire des enquêtes sur question ça. Je dis à nous-mêmes, dans Aspayet, nous encourager pour diligenter de manière automatique, bien rapide, des enquêtes. Par rapport au scandale qui gagne dans la rue, comme quoi tu as une corruption dans l'institution, ça, tu as dû mener des enquêtes depuis la création du fonds jusqu'à aujourd'hui, qui ça l'argent collecté au fait. Si toutefois, enquête a révélé qu'il y a des détournements de fonds, qu'il y a des crochets faits avec l'argent, la justice doit servir. Contre Mounsayo, d'ailleurs, nous avons dit, et puis même dans la création fonds, la préambule qui gagne dans la loi sur fonds, il a dit Fonds national d'éducation, il vient en renfort avec le système éducatif là. Il vient pour aider quantité de Timoun à l'école, construire des bâtiments. Je dis à nous pas faire un pacte. Si nous ne continuons pas l'école, l'école ne continue pas à construire. Mais ça va nous droit tout pour nous dire corruption. Nous même nous avons pris l'enquête, l'institution qui l'a fait ça. Cour supérieure des comptes avec ULCC pour nous connaître effectivement qui s'est passé en dedans. Comment nous comprendre en plein l'école qui n'a pas fonctionné, mais qui a fait pression sur les parents pour les parents payer? Effectivement, nous disons ça, nous avons déjà passé à pied joint sous lit. Nous remarquons pratique ça là depuis bon bout de temps. Et l'école, là, chaque temps qu'il y a une situation qui fait l'école n'a pas fonctionné, soit insécurité, situation tout politique. Direction de l'école, vous parlez perdant. C'est toujours parent qui perdant dans ce sens. Même sous tendre, si vous avez fait 2 mois dans l'école, 3 mois dans l'école, direction de l'école a touché toute l'argent. D'ailleurs, c'est une loi sous fond, c'est une loi qui a été votée dans le Parlement, frais scolaires. La loi ça a été prévoit comment pour les gens ne pas payer et s'adhérer les frais dans l'entrée de l'école. Je dis à un bon intelligent, les gens qui sont dans l'école ont décidé de contourner les lois. Les, par exemple, ils ont dit que c'est sur l'année que vous faites les gens payer. Même si vous faites 2 mois, vous payez l'année l'école. Je dis à tout à l'heure, difficulté de vous faire l'école. Je dis à la paye l'année l'école. Nous pensons que ce sont des autres. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas pris la responsabilité. Je ne sais pas si il y a des inspecteurs qui n'ont pas fait de rapport sur ça. Parce que ça, c'est n'importe qui, mon gros dame dans l'arrière-garde. Depuis que si mon l'école ou du moins sur pas que si mon l'école direction l'école yo toujours fait des pressions sur eux dans une situation spéciale là que direction l'école qui guette envoie demander l'argent sur base de travail en lien avec mon yo tandis que nous dans toute qualité situation difficile nous avons des problèmes sur question énergie nous avons des problèmes internet ou pas au débit yo pas qu'à faire et ça n'a qu'à dire si mon pas arriver travail vrai mais direction l'école yo yo vle yo même à tout prix pour se gagner dans bagage ça d'ailleurs nous je dis à nous dans mois avril majorité direction l'école yo de fait qui t'a touché toute année l'école là ça son absurdité grave pour nous dans Espagne. Mais qui ça nous même pensé avec le ministre qui t'a déjà mis des notes de yo pour faire quoi que examen l'état il a déroulé et parti mois d'août. Est-ce que son bagage qui est nécessaire vu que pas les pays comme on pense c'est un problème. Oui, dans l'intervention, nous disons ça déjà. Effectivement, nous-mêmes, nous prenons note sur la modification du calendrier 2023-2024. Là. Nous prenons note que le ministère a fait. Il fait pour tout le pays. Mais il y a, par exemple, l'école qui a fonctionné dans toute ville provinciale qui n'est même pas dans la situation. Il fourre là-dedans. Et puis, l'école dans la zone métropolitaine qui n'a pas fonctionné, l'école là, jusqu'à présent, il n'y a pas ouvert pour calendrier ça dans l'application. Effectivement, il dit, nous avons dit calendrier à prévoir, l'école a fermé dans le mois d'août, avec examen d'état au côté de l'école et date. C'est vrai, nous d'accord, nous avons fait, mais cependant, il n'y a pas d'être puni, département, l'école a fonctionné. Deuxièmement, nous avons fait, mais pas
faut faire des précisions qui est l'école a fonctionné. Est-ce que l'école a fonctionné? On dit l'école n'a pas fonctionné dans le mois d'avril, il va fonctionner dans le mois de mai. Comment calendrier modifier ça pour ton application? Deux mois, un mois, il va ajouter sous l'IA. Est-ce qu'effectivement, oui, la privée a entré dans l'application? Ça, c'est réserve, nous gagnons sous ça. Et nous pensons, l'idée de bon ton pour être capable de modifier le calendrier, mais on a fait de manière sectorielle, on a fait pour le département qui a des problèmes, mais le département n'a pas de problème, mais on a d'autres mesures de l'autre pour vous.